la première fois que la Commission européenne décide d'associer des citoyens dans tous les pays de l'Union européenne, donc il y a une réunion comme celle-ci dans les 27 autres pays de l'Union européenne, plus la Suisse et la Norvège. On est au cœur du débat Simulacte français. 40 citoyens sont derniers mois en train de réfléchir au monde de 2050, au futur souhaitable. La question de savoir, mais comment se fait-il alors qu'on a une vision extrêmement claire, c'est ce qui est en train de se dégager des futurs souhaitables, on a tant de difficultés à ce que ce monde souhaité se passe dans le présent. Et c'est là que la recherche, le développement doit trouver sa place, et comment aider à ce que ce monde émerge. Travaillant sur 2050, moi je pensais beaucoup plus à mes petits-enfants qu'à moi-même. Hein, donc j'attends surtout que ce qui émerge là, que je ressens, c'est beaucoup de solidarité, beaucoup de partage, qu'en 2050, on vive vraiment dans cet état d'esprit. Je me rends régulièrement à des réunions citoyennes. Mes idées sont entendues et retenues pour les projets et décisions de vie collective. Pour moi, déjà, la vision de l'avenir, c'est un respect de la terre, respect des cultures et respect des populations. Voilà, le respect surtout. Demander à quelqu'un de but en blanc ce qu'il pense de 2050, c'est pas forcément très facile. Donc on a construit tout un cheminement qui leur permet de commencer à réfléchir et à imaginer comment ils voient le futur. Donc il y a à la fois une visualisation guidée, il y a du travail sur des images, c'est-à-dire qu'on leur demande, pour sortir vraiment du mental et des réflexes conditionnés, de choisir des images et plutôt même de se laisser choisir par les images pour arriver à la fin à avoir développé 6 visions du futur. Ce qu'on voit, c'est que finalement, les souhaits qui sont émis par les uns et les autres sont extrêmement convergents. Ce qu'on voit aussi, c'est que les citoyens ne raisonnent pas en technologie, ils raisonnent en vie, en mode de vie, dans quelle humanité on veut vivre. Ils sont à la fois optimistes, confiants, et en même temps ont des doutes sur les chemins à prendre.